អង្គប្រះប្រកាសបន្តខេត្តចំណើការនីតិវិធីសមនាការហើយនឹងបុគ្គលជូនទៅមេធាវីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនៃក្រមមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដែលទទួលសិទ្ធិមេធាវីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដែលទទួលសិទ្ធិពីមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីសូមអញ្ជើញ Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi à Mesdames, Messieurs les juges. Bon après-midi à tous mes confrères et bon après-midi au public dans la galerie. Monsieur le témoin, bon après-midi. Vous m'entendez, Monsieur le témoin? Merci. Je n'ai pas eu la traduction, mais bon, je suppose que vous avez dit, vous avez répondu. Monsieur le témoin, je vais concentrer la première partie de notre. Je suis déjà pour me présenter Barnabé Nekwi, avocat international pour la partie civile. Et je voudrais concentrer la première partie de notre entretien sur la visite de la délégation japonaise que vous avez conduite à Siem Reap en 1978 et dont vous avez déjà évoqué quelques aspects ce matin avec M. le procureur. Vous en souvenez-vous? Très bien, je vous remercie. Alors, si cela vous revient plus ou moins précisément, vous savez que cette visite a eu lieu au mois de septembre 1978. Est-ce exact? Oui, c'est exact. Très bien, Monsieur le témoin, je vous comprends, mais en se référant au document que vous a déjà présenté le procureur ce matin, c'est bien à cette période. Mais l'intérêt de cette question est de savoir, est-ce que vous vous souvenez qu'à cette période-là, la guerre dont vous avez également parlé durant vos dépositions contre le Vietnam battait son plein? Est-ce que vous vous en souvenez? ສົມឆ្លើយສັງຄຽມແດ່ເວຍນາມໄວ້ໂຈນໍຄືຂ້ອຍຈໍາມັນຈ្បាស់ទេតែການຕຕួលພໍດາມຽນປີທະເລີຄໍາມີການຈັບດຳໄວ້ລຸກໂຈລໃຫ້ຈໍານົດນາໃຫ້ນາຈ្បាស់ລໍອາດມີບັນຈະຈ្បាស់ລໍទេ Très bien, Monsieur le témoin. Alors, dans le cadre de cette guerre, toujours en vous invitant à vous souvenir de tout ce qui se disait depuis l'échelon supérieur, vous étiez informé ou non du fait que, en même temps que le Vietnam vous attaquait, il menait une campagne de dénigrement, une campagne internationale de propagande contre le régime du Kampuchea qu'il qualifiait de génocidaire. Est-ce que cela vous est revenu à cette époque? ក្របខណ្ឌខ្ញុំអ្នកទទួលតួនាទីខាងវិធីការខ្ញុំមិនបានដឹងទេតែបើក្របខណ្ឌអ្នកខាងទទួលតួនាទីខាងព័ត៌មាន
Alors, très bien, pour vous rafraîchir justement la mémoire, monsieur le procureur, monsieur le témoin, je voudrais vous soumettre un extrait des documents que le procureur vous a déjà présenté ce matin. Il s'agit du document D108-28-318. Et les ERN de la page pertinente sont 00 en anglais, S00-13-189, en khmer, S00-87-01-27, et en français, S00-79-35-02. Il s'agit en fait d'un extrait de l'article du journal de Phnom Penh, dans lequel est publiée une interview du chef de la délégation japonaise à la fin de sa visite. Et je voudrais vous donner lecture, monsieur le témoin, de l'extrait d'une question qui lui fut posée, afin que vous me disiez. En fait, ensuite, je vous poserai la question qui en découle. Je ne sais pas si, monsieur le président, vous m'autorisez à la fois afficher ce document, du moins cet extrait, à l'écran, et communiquer la version khmer que nous détenons au témoin, afin de lui faciliter la lecture du document. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, si vous avez le document, je vais vous donner lecture de l'extrait d'une des questions posées à Son Excellence Kozo Sasaki. Il est dit ceci, c'est le troisième paragraphe de la version française. Les agresseurs vietnamiens, l'expansionnisme international et l'impérialisme propagent une propagande calomnieuse. Ils disent que le gouvernement du Cambodge démocratique se retrouve aujourd'hui isolé car le peuple y est opposé, qu'aucune région du Cambodge n'est épargnée par les troubles, que les droits humains ne sont pas respectés au Cambodge et que la population cambodgienne est massacrée. Maintenant que vous avez passé 2 semaines au Cambodge, que pensez-vous de cette propagande? Alors, c'est ça la question qui est posée au chef de délégation. Je ne voudrais pas tout de suite vous donner lecture de la réponse, mais je vous pose ma question suite à cette lecture. Est-ce que, d'après vos souvenirs, monsieur le témoin, ce sont là des informations qui étaient officiellement connues au sein du ministère des Affaires étrangères en 1978, quand vous y étiez, sur la propagande vietnamienne? ខ្ញុំសារនេះខ្ញុំមិនចាំទេតែតាមមើលខ្លឹមសារនេះជ្រាលជ្រៅដែរអាចជាអ្នកពណ៌នាំខ្លឹមសារនេះគឺជាអ្នកនៅខាងផ្នែកឃោសនាការដូច្នេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបានប៉ុណ្ណឹងហើយ
ការសរសេរការនិយាយតំណាក់ដែលធ្វើសម្ភាសមានសមត្ថភាពមិនគ្រប់គ្រាន់យល់ដឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ប្រហែលគឺច្បាស់ជាសរសេរលើសឬកំផ្លើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សរុបថាខ្ញុំចាំមិនអស់ហើយតាមមើលខ្លឹមសារនេះមិនអាចក្រោកខណ្ឌខ្ញុំទេ D'accord. Alors, monsieur le témoin, je vais, puisque vous avez conduit cette délégation, je vais peut-être vous donner lecture aussi de la réponse du chef de délégation qui dit ceci, juste après la question. Nous n'avons vu aucun massacre. La population a de quoi se nourrir dans les campagnes. Nous avons vu des milliers de troupeaux dans les coopératives. Si la population cambodgienne manquait de nourriture, elle pourrait abattre tous ses troupeaux pour manger la viande des animaux. Les informations selon lesquelles la population cambodgienne est victime de pénurie alimentaire, sont dès lors qu'une supercherie des Vietnamiens. Nous devons écraser cette propagande trompeuse. Vous ne nous avez rien caché durant notre séjour. Nous avons pu constater la situation réelle au Cambodge démocratique. Ma question, monsieur le témoin, autant que vous vous en souveniez, ce rapport que fait le chef de la délégation correspond-il effectivement à ce que vous leur avez fait voir durant leur tournée au Cambodge? ខ្លឹមសាររបស់ប្រធានគណៈប្រតិភូជប៉ុនដែលបានលើកឡើងនៅពេលនេះខ្ញុំចាំមិនអស់ទេពីព្រោះកិច្ចសន្ទនាតាមឡានតាមពាក្យសម្ដីដូច្នោះខ្ញុំចាំមិនអស់ទេតែ ថ្ងៃនេះបានឃើញខ្លឹមសារនេះជាលិលាអសរខ្ញុំមានការនឹកឃើញខ្លះៗក្នុងក្របខណ្ឌជាគណៈប្រតិភូគណៈប្រតិភូគេតែងសរសើរយ៉ាងហើយទី1តែទី2ការពិតជាក់ស្ដែងដែលគណៈប្រតិភូនោះទៅជាមួយខ្ញុំនោះតាមឡាននោះគាត់មិនបានឃើញអីដែល Merci pour cette réponse, monsieur le témoin. Et en effet, ce matin, vous avez rappelé à la Chambre que ce que vous deviez faire, c'était parler des victoires que vous avez accomplies. Vous deviez dire que vous étiez fier de ces victoires. Est-ce que je résume bien ce que vous avez dit ce matin en réponse à une question du procureur? ខ្ញុំឆ្លើយជាធម្មតាក្នុងកិច្ចដំណើរការអ្វីមួយឬក្នុងការចូលរួម
ចលនាអ្វីមួយបើកណាឃើញថាបានជ័យជំនះហើយក៏អរហើយបាទដូច្នេះខ្ញុំបញ្ជាក់នេះក្នុងទស្សនៈគោលជំហរខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំអរខ្ញុំរីករាយដោយបងប្អូនមហាជនទូទៅដែលនៅជិតគ្នាទាំងកងតបប្រជាជនអីហ្នឹងក៏អបអរសាទរបាទ Oui, très bien, monsieur le témoin. Mais dans le même temps, toujours lors de vos dépositions depuis hier, vous avez reconnu, aussi bien ce matin d'ailleurs que cet après-midi, que vous-même aviez remarqué que les populations manquaient de nourriture. Vous avez bien relevé ça cet après-midi encore. Le confirmez-vous? បាទខ្ញុំឃើញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាអញ្ចឹងការយល់របស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាអញ្ចឹងពីព្រោះអីពីព្រោះខ្ញុំយល់ដោយបានខ្ញុំជម្រាបឬអធិប្បាយខ្លះៗជូនថាយ៉ាងណាក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរពីព្រោះអ្នកចាស់ខ្វះខាតទៅហើយហើយអ្នកថ្មីមក Très bien, monsieur le témoin. Merci, monsieur le témoin. Alors, donc, est-il raisonnable monsieur le témoin, d'en déduire que les informations que le ministère des Affaires étrangères vous demandait de communiquer aux autres sur la situation des populations n'étaient pas conformes à la réalité et le ministère le savait? Est-il raisonnable d'en déduire cela à partir de ce que vous venez de dire? Quand je suis venu, Oui, monsieur le témoin, peut-être devez-vous nous préciser ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que vous entendez par vos impressions personnelles? Oui, alors, monsieur le témoin, peut-être pour que les choses soient bien claires, sur ce point, devrais-je vous soumettre le procès-verbal de votre audition en date du 13 décembre 2007, effectué par les enquêteurs des co-juges d'instruction? Ce document porte la cote D91-22 en français. L'IRN, je crois, c'est le 00-52-93-41.
Et avec l'autorisation de la Chambre, je souhaiterais rafraîchir la mémoire du témoin en lui soumettant la première question qui lui est posée dans ce document. Je ne sais pas si la version Khmer est disponible. Donc nous pouvons la remettre au témoin pour lui en faciliter la lecture. Monsieur le Président, j'ai bien dit que la version Khmer est disponible et que je souhaite la soumettre au témoin pour lui en faciliter la lecture. Et je l'ai ici sous la main. Monsieur le témoin, je voudrais simplement vous rappeler les extraits de la première question et de la réponse que vous avez faite à cette question. La question s'est lancée comme suite. Quand vous avez travaillé au ministère des Affaires étrangères, vous avez amené des délégations invitées à effectuer des visites dans la province de Siem Reap et dans les bases. Est-ce que vous avez pu remarquer les caractéristiques des conditions de vie des habitants? Et votre réponse? J'ai remarqué que les habitants ne mangeaient pas suffisamment, mais le régime était similaire partout. Quand il y avait peu à manger, on mangeait peu. Quand il y avait beaucoup à manger, beaucoup, on mangeait beaucoup. La cause de la pénurie alimentaire venait du fait qu'il fallait prendre en charge et nourrir les gens qui avaient été déportés des villes. Le travail des habitants, pour l'essentiel, consistait à lever des barrages et à creuser des canaux. En d'autres termes, il s'agissait de mettre en application la politique d'indépendance. Je n'ai jamais amené les délégations invitées inspecter des chantiers. Alors, ma question, monsieur le témoin, après que je vous ai donné lecture de ceci, lorsque vous dites que c'était votre impression, est-ce que cela ne correspondait pas à la réalité que vous avez observée sur le terrain? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Merci pour ces précisions, monsieur le témoin. Monsieur le témoin, je reviens sur ce document évoqué avec le procureur et voudrais vous donner lecture d'un extrait concernant M. Yen Sari. Alors, c'est bien le document D108-28.318 qui a déjà été présenté au témoin. Et cette fois, je voudrais lui donner lecture d'un extrait qui se trouve à l'URN en anglais, S00013185, en Khmer S00810122, et en français S00779-34-99.
Très bien. Monsieur le témoin, je vais vous donner lecture du deuxième paragraphe de la version française où il est dit ceci. Les responsables du gouvernement et leurs jeunes lions affichaient cette assurance hardie et cette ouverture propre aux personnes qui triomphent. Yen Sari nous a conviés à un banquet arrosé d'un excellent vin de Bordeaux qu'il qualifiait de butin de guerre en rien. Les autres hauts fonctionnaires portaient tous des montres suisses onéreuses et plusieurs utilisaient des stylos à plumes venus d'Allemagne, de l'Ouest ou des États-Unis. Est-ce que vous avez vu ce passage, monsieur le témoin? Alors, je vais vous poser ma question en même temps que vous me répondrez. Est-ce que ce rapport correspond bien à un événement que vous avez vécu lors de cette visite de la délégation japonaise à Siem Reap en compagnie de M. Yen Sari? Est-ce qu'il a effectivement offert un banquet à la délégation japonaise à cette occasion? ខ្ញុំជម្រាបជូនក្រុមសាដែលលោកលើកមកសួរខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនចាំទេហើយការពិតជាមួយនឹងក្រុមសានេះវាមិនត្រូវទាំងអស់ទេបាទមិនមែនចេតនាមានរបស់ប្រើប្រាស់អីចឹងទេ Oui, monsieur le témoin, mis à part les objets, est-ce que vous vous souvenez quand même de ce que un banquet, puisque vous avez dit ce matin que c'est vous qui organisiez les banquets par ailleurs, vous vous souvenez de ce qu'un banquet a été offert ou non à la délégation japonaise à Siem Reap, qui est restée 2 semaines durant cette période en visite au Cambodge? Très bien. Alors, monsieur le témoin, je sais qu'il y a bien longtemps de cela, mais je voudrais vous prier de faire l'effort quand même de mémoire. Est-ce que vous vous souvenez du lieu où a séjourné cette délégation japonaise à Siem Reap lorsque vous les avez conduits là-bas? សូមបញ្ជាក់ជូនគឺកាលនោះក្រោយសង្គ្រាមចប់ភ្លាមៗការរៀបចំគ្មានហូតែលអីច្រើនទេខ្ញុំចាំថាមានតែហូតែលមួយគេហៅបង់កាឡូបង់កាឡូបង់កាឡូនោះឥឡូវមិនដឹងជាទៅជាអីខ្ញុំមិនដឹងដែរតែហូតែលនោះវាជាប់នឹងស្ពានថ្មទៅហួនបន្តិចទៅឃើញ ហូតែលនឹងធំជាងគេពេលនោះហើយសម្រាប់នៅកន្លែងនោះបាទ Très bien. À propos du séjour du chef de délégation en particulier, je vais peut-être essayer de vous rafraîchir la mémoire en vous donnant lecture d'un extrait du même document qui est déjà sous vos yeux. Cette fois-ci, à la page portant les ERN en anglais, S. 00 13 184 en Khmer S 00 81 012
Et en français, S00-79-34-98. Je ne sais pas si M. l'huissier, avec la permission de la Chambre, peut aider le témoin à se retrouver sur le document en support papier. C'est juste la page précédente. លោកមន្ត្រីឲ្យលេខទំព័រ EN ជាភាសាខ្មែរម្ដងទៀតពីព្រោះម្ដង012 22ម្ដង012យ៉ាងមិនដឹងថាលេខ EN ជាភាសាខ្មែរហ្នឹងជាច្បាស់ប្រមាណទេហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការក៏មិនអាចអល់បង្ហាញសាក់សីបានដែរព្រោះគាត់ស្ដាប់មិនបានដែរ Je vais le faire, Monsieur le Président. Alors, la côte Khmer, c'est S00-81-012. S00-81-012. Ah, c'est bien ça. C'est le même document. Hein. J'ai donné les références d'un document tout à l'heure et c'était la page suivante. Alors ici, dans la version française, la page précédente porte la côte S00-79-34-98. Et ensuite, c'est la côte S00-79-34-99. J'ai donc exploité avec le témoin d'abord la côte S00-79-34-99 et maintenant je voudrais exploiter la page précédente à savoir S00-79-34-98 en français. En Khmer, c'est S00, je le répète, 10-12, pardon. Je crois que c'est 10-12. Hein? Non, 81-012, c'est bien ça. Je ne me trompe pas, Monsieur le Président, c'est bien S00-81-012. Je me demande pourquoi ça ne se retrouve pas. Président, je pense que n'ayant pas beaucoup de temps, je pourrais peut-être évoquer autre chose avec le témoin. Je reviendrai sur ce point après, parce que je dois filer les minutes et j'ai encore quelques sujets à évoquer avec le témoin. À moins que ce soit déjà... Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes sur le document, sur la référence que j'ai indiquée? Monsieur le témoin, est-ce que vous avez le document sous les yeux avec la référence précise? Pouvez-vous me répondre, s'il vous plaît? Le document est sous les yeux avec la référence précise.
mien sa son 121 luk aich chalom son 121 rư ko son 112 ai ka sa ni mien daem dabong mo kư ma eh 008113 te ot mien son 112 te Peut-être avez-vous raison, M. le Président, parce que je vois bien que la référence que je donnais n'était pas exacte. Maintenant, j'ai la bonne référence qui est S0081-01-21. Mais j'avais une mention qui ne correspondait pas effectivement à la page pertinente. Alors, Monsieur le témoin, sans perdre de temps, je voudrais juste vous donner une petite lecture du premier paragraphe de ce document qui s'intitule « Les impressions des visiteurs japonais à propos du jeune régime cambodgien ». Et dans ce paragraphe, il est dit ceci. Kozo Sasaki, le chef de délégation de l'association pour l'amitié entre le Japon et le Cambodge, était quelque peu confus lors de notre visite à Angkor Wat, il a découvert qu'il serait logé dans la chambre principale, magnifiquement décorée, du palais du prince Norodom Sihanouk à Siem Reap. Je m'arrête là. Et je vous pose la question, monsieur le témoin, est-ce que cet extrait vous rafraîchit la mémoire sur le lieu où vous avez séjourné précisément, monsieur Kozo Sasaki, lors de cette visite à Siem Reap? Khom cham ke mien tae bungalow nung ke tuk chi hotel muay saat neu khang Siem Reap hai ai tamnak robos pra mahaksat ai ni khom doich mon lue te mon lue tha ban te snak neu kalai nung te ba som bjeak chun banang ba. Très bien, monsieur le témoin. Je vais peut-être passer à autre chose, mais toujours en relation avec cette visite, je voudrais évoquer avec vous, monsieur le témoin, les explications que M. Yen Sari a eu à donner à cette délégation sur l'évacuation de Phnom Penh. Ensuite, je vous poserai la question. Alors, c'est toujours le même document, D108-28.318. Cette fois, les ERN sont les suivants. S 00 en anglais, S00-01-31-90, en khmer, S00-81-01-29, à 01-30, en français, S00-79-35-03.
Et c'est le dernier paragraphe de ce, ce document, de la version française, que je vais lire en partie pour vous, monsieur le témoin. Il y est dit ceci. Les dirigeants cambodgiens, sensibles aux critiques étrangères à propos du démantèlement forcé des centres urbains, se sont employés à nous expliquer la nécessité de déplacer la population dans les zones rurales pour atteindre leurs objectifs révolutionnaires. Le vice-premier ministre Yen Sari nous a dit qu'au moment de la libération, 3 des 8 millions d'habitants que compte le pays vivaient dans les villes. La plupart, a-t-il indiqué, étaient d'anciens agriculteurs qui avaient échappé au bombardement des zones de libération par les forces américaines et l'armée de l'ancien régime cambodgien. Il a expliqué que la production limitée d'aliments avait entraîné des pénuries alimentaires et que compte tenu de la volonté de parvenir à l'autosuffisance, ces anciens agriculteurs avaient dû se réinstaller dans les zones rurales. Ma question, monsieur le témoin, ces propos attribués à monsieur Yen Sari correspondent-ils, d'après vos souvenirs, à la version officielle des informations que vous aviez la charge de communiquer aux délégations étrangères lors de leur visite au Cambodge sur la question de l'évacuation de Phnom Penh et des autres villes? My apologies for interrupting. I understand it's late in the day and the gentleman has a short period of time. However, if we look at the document, this is what a reporter claims. Mr. Ing-Chiri said. And so to be fair to Mr. Ing-Chiri, perhaps the question should be rephrased to reflect that. This is hearsay information. Now to ask this gentleman if what Mr. Ing-Chiri said is accurately reflected without first acknowledging, getting an acknowledgement from the witness whether he was present and whether he heard Mr. Ing-Chiri would be unfair. On the other hand, if the gentleman wishes to rephrase to say whether, if indeed Mr. Ing-Chiri said this, would this accurately reflect the situation as it was occurring at the time, I would not object to that question. But as posed, I think it's improper. Asking this question to speculate. Oui, Monsieur le Président, je ne vais pas m'attarder sur cette objection. Je vais reformuler la question parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Monsieur le témoin, est-ce que lors de la visite de cette délégation japonaise, vous avez entendu Monsieur Yen Sari donner des explications à ses invités sur l'évacuation des villes et en particulier l'évacuation de Phnom Penh, puisque vous étiez le guide de la délégation? ខ្ញុំបានជាអ្នកបញ្ជាក់ថាពិតឬមិនពិតខ្ញុំឆ្លើយមិនបានទេបាទ
Oui, monsieur le témoin, je voudrais vous rappeler quand même la suite de ce paragraphe qui vous a été lu ce matin par le procureur et dans laquelle il était dit que vous-même, Nikan, le représentant du ministère des Affaires étrangères qui nous accompagnait dans notre tournée, nous a expliqué que la plupart des gens étaient partis sans résistance et avaient pu entrer dans les villages, leur village d'origine. Cet extrait vous a été lu ce matin. Et ma question donc est de savoir, est-ce que vous avez évoqué avec la délégation japonaise la question de l'évacuation des villes pendant leur séjour au Cambodge? Tik krong dai rute neu pel dai kwat ma sanak neu pel dai kwat ma thveu tesanak kech neu srok khmae no. Som banjeak chuon. Khom cham man ban chbas loh te tae ba khom nyei rue athibai chuon phnieu ko neu tae khnom khlom sa de khom banjeak បន្តបន្តគឺថាទី1ហេតុផលដែលចេញគឺចេញមកដោយខ្លាចក្របែកខ្លាចមានការប្រយុទ្ធគ្នាដណ្ដើមទីក្រុងហើយទី2มันឃើញថាបង្ខិតបង្ខំយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទេក៏តែមានសេចក្តីអំពាវនាវថានៅខេត្តណាស្រុកណាទៅខេត្តនោះស្រុកនោះវិញនេះខ្ញុំតែងនិយាយគឺអញ្ចឹងបាទបាទBien, monsieur le témoin, toujours à ce propos, alors vous avez expliqué lors de vos dépositions que le 17 avril, au soir, vous êtes rentré dans votre secteur en moto. Vous en souvenez-vous ? Est-ce que vous avez pris quelqu'un à bord de votre moto ou non durant le trajet entre Phnom Penh et votre base? Est-ce que vous êtes rentré seul ou bien vous étiez avec quelqu'un d'autre sur la moto? អ្នកបើកបរដូចខ្ញុំគឺបានន័យថាទៅពីអ្នកមកក៏ពីអ្នកទៅក៏ពីអ្នកបាទC'était un jeune Khmer Rouge, c'est bien ça? គាត់ជាយុវជនខ្មែរក្រហមតែអញ្ចឹងមែនទេបាទគាត់ជាយុវជនក្នុងកងទ័ពនៅស្មារហូបនឹងបាទAlors, ce qui veut dire, monsieur le témoin, que la foule également que vous avez vue, la foule immense que vous avez vue sur le chemin, et qui, comme vous l'avez décrit lors de vos dépositions, longeait les routes, vous ne pouviez pas, vous n'étiez pas en position de savoir où cette foule se rendait. Il n'était pas possible pour vous de savoir que ces personnes allaient dans leur village d'origine. Est-ce exact? បាទការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនក្រុងភ្នំពេញគឺជាមូលដ្ឋានគេទៅតាមពាក្យអំពាវនាវថានៅស្រុកណាទៅស្រុកណឹងដល់អញ្ចឹងបើនរណាគេនៅមកជួកំពុងធ្វើតលិចគេទៅតាមផ្លូវលេខ4
បណ្ណាគេនៅម្ដុំកំពង់ចាមគេទៅតាមឬក៏ទៅកំពង់ឆ្នាំងអីគេទៅតាមផ្លូវលេខ5ដូច្នេះខ្ញុំឃើញតាមហ្នឹងឃើញដំណើរគេទៅតាមហ្នឹងហើយមនុស្សច្រើនបែបនេះសូមបញ្ជាក់បន្ថែមដើម្បីអង្គសាវនាការយល់ថែមគឺมันអាចធ្វើដំណើរមួយថ្ងៃបាន10គីឡូទេទៅគ្រឿនតាមគ្នានឹងទៅបាទសូមបញ្ជាក់ជូនបន្តបាទVous avez également plusieurs fois affirmé lors de vos dépositions ici, monsieur le témoin, que finalement vous aviez constaté qu'à cause des évacuations, des pénuries alimentaires se sont produites dans l'ensemble du pays. Et à cela également s'ajoutait le fait que les cultures étaient mauvaises. Est-ce que je résume très bien ce que vous avez dit à propos des pénuries alimentaires, du constat que vous avez fait vous-même ? Bon. Donc, il est raisonnable, monsieur le témoin, d'en conclure que il est inexact de considérer que le fait pour les habitants de Phnom Penh de rejoindre leur village, ou en tout cas les zones rurales, est un moyen pour le régime du Cambodia de résoudre le problème de pénurie alimentaire qui sévissait à Phnom Penh. Est-ce que Oui, monsieur le témoin, je vais d'ailleurs la simplifier. Bien que l'extrait attribué à monsieur Yensari soit contesté, il ressort quand même de ce rapport que une des raisons pour lesquelles les habitants de Phnom Penh étaient évacués, c'était premièrement le fait que la plupart soient originaires des zones rurales. Deuxièmement, le fait qu'il y ait des pénuries alimentaires à Phnom Penh. Et qu'en conséquence, il fallait les renvoyer dans les zones rurales pour qu'elles puissent se réalimenter. Est-ce que d'après ce que vous avez vous-même dit au sujet des pénuries alimentaires, une telle raison serait à prendre en considération ? En ce qui concerne les évacuations. Thank you, Mr. President. I apologize. I'm uncertain whether the gentleman is suggesting that this is what Mr. Yensari is saying, or whether this gentleman is aware of these are the reasons that those who made the decision used for the purposes of the evacuation. It's utterly unclear exactly what he's talking about. I think if we go step by step, whether the gentleman knows exactly the reasons, how he knows them, and so on, I have no objections. Clearly, because of his position, he may or may not know. But I think to sort of take a statement that somebody else wrote, claiming this is what Mr. Yensari said, and then from that, try to extract something and then put it to the witness, I think is utterly improper. So perhaps the gentleman should either rephrase or give up. សូមឲ្យសួរសំណួរឡើងវិញកុំឲ្យមានការបញ្ជាក់ដោយមិនត្រឹមត្រូវបែបនេះសូមអនុញ្ញាតថ្លាការជ្រាបសួរទីមួយ Monsieur le Président, je vais éviter à la chambre de devoir trancher sur la question. Je passe à autre chose. Monsieur le Témoin, je voudrais revenir un tout petit peu sur les explications que vous avez données concernant vos activités de propagande pendant que vous étiez en secteur 32. Alors, vous avez expliqué à la Chambre que
vous encouragiez les populations, les masses, à produire et que vous leur enseigniez les techniques de production et bien, comme vous avez mentionné un certain nombre de choses que vous faisiez dans le cadre justement de la production agricole. Et la question précise que je voudrais vous poser, c'est de savoir, mais en fait, quelles sont précisément les techniques de production que vous aviez l'habitude d'enseigner à ces masses. Est-ce que vous pouvez donner des indications là-dessus? នៅពេលនោះគ្មានអីធំធំទេមានតែធ្វើស្រែហើយបន្តពីហ្នឹងមានតែដាំដំឡូងជ្វាដំឡូងមីបាទនឹងដែលការជំរុញហើយបច្ចេកទេសនោះក៏គ្មានអីដែរគឺមានតាមខ្ញុំមើលដែរការមានភាព អភិវឌ្ឍបន្តិចនោះគឺចូលលើមូលដ្ឋានមាត់ទន្លេដែលមានស្រែប្រាំងហើយឲ្យទប់ទំនប់នឹងទៅហើយបាច់បូមបាច់ទឹកចូលទៅហើយធ្វើស្រែប្រាំងនេះមានប៉ុណ្្នឹងទេសូមជម្រាបជូនបាទ Vous avez expliqué également à ce sujet que ce sont des encouragements qui tendaient à faire en sorte qu'on puisse avoir 2 à 3 productions durant la même saison, s'agissant du riz. Est-ce que je résume exactement ce que vous avez dit? ខ្ញុំគិតថាមិនត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះសភាពការកន្លែងនោះគ្មានលទ្ធភាពពីបេដងទេបាទសត្វដីល្បាយខ្សាច់ហើយពឹងលើទឹកភ្លៀងបាទសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងបាទ Est-ce que à cette occasion, là, l'occasion de la propagande sur l'agriculture, donc, vous évoquiez le slogan de 3 hectares, 3 tonnes par hectare, lorsque vous vous adressiez aux masses? ហើយឋានៈក្រមគោរពឋានៈលើដូច្នេះចេះតែឃោសនាបន្តគ្នាទៅហើយជំរុញបន្តគ្នាអញ្ចឹងទៅតែការធ្វើបានធ្វើមិនបានវានៅលើជាក់ស្ដែងហើយភាគច្រើនគឺធ្វើមិនបានបាទ Est-ce que dans le cadre de cette propagande, vous évoquiez aussi les questions de l'état de santé des masses chargées de faire cette production-là? ពីព្រោះកាលនោះវាចោតបញ្ហាក្រោយសង្គ្រាមវាខ្វះសពខ្វះគ្រប់អញ្ចឹងការនិយាយហើយការប្រតិបត្តិ
mean the yo bandol phich ma sngo na ptea tnaut dambei hop tau ka pia chngue krun chang hai krao ke nung ko mean pet pracham kalaing che ta thae toam tam nung tau tae hau tha ka kit ku chop dae ba Est-ce que d'après vous, monsieur le témoin, et dans votre secteur particulièrement, ces dispositions que vous preniez, à savoir les racines que vous apprêtiez, est-ce qu'elles suffisaient à assurer un bon état de santé aux masses qui étaient sous votre autorité? บ่ตามธรรมดานี้คือยกរបស់ធម្មជាតិក្រៅវិញក៏មកហូបនេះវាយ៉ាងណាក៏វាមិនដូចគ្នាដែរបាទតែជាការដោះស្រាយរយៈឆ្លងកាត់ធ្វើម៉េចឲ្យប្របានអាហារចែកគ្នាហូបនេះដែល Monsieur le Président, je vois que nous avons débordé de quelques minutes déjà et je voudrais prier la Chambre. J'ai un dernier document que je voudrais évoquer avec le témoin et je ne pense pas qu'il ne prendra plus de 5 minutes. Et je voudrais savoir si je suis autorisé à évoquer ce document avec le témoin pour pouvoir mon interrogateur. ប៉ុន្តែសូមរំលឹកលោកមេធាវីថាគួរតែត្រូវបានត្រៀមនៅសំណួរទាំងឡាយដែលមានជាសំណួរសក្តានុពលក្នុងការសួរដេញដោលសាក់សីវាជាវិញ្ញាណចំណាយពេលវេលាសួរសំណួរបន្តបន្សំដែលវាមានតម្លៃតិចតួចនៅក្នុងការពិចារណាឈានទៅរកការស្វែងរកការពិតនឹងរឿងក្តីនេះ Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je voudrais évoquer avec vous l'extrait d'un document qui vous a été présenté par le procureur ce matin. Il s'agit de l'étendard révolutionnaire dans lequel est reproduit le discours de M. Nyongia lors de l'Assemblée de zone tenu en juillet 1977. Alors, je vais rappeler les URN en français 00 61 18 40, en khmer 00 06 29 64, en anglais 00 39 92 35 à 36. Et je vais simplement me contenter de vous donner lecture d'un extrait de ce discours, Monsieur le témoin, où M. Nyongia dit la chose suivante. Cependant,
dans d'assez nombreuses coopératives, le pouvoir n'est pas encore dans les mains des ouvriers et des agriculteurs du parti. Il est entre les mains des autres classes. S'il se trouve entre les mains des autres classes, est-ce que ces classes sont du côté de la révolution? Non. Elles sont contre la révolution. Nous devons organiser les agriculteurs pauvres et les agriculteurs de classe moyenne inférieure pour qu'ils aillent prendre en main les coopératives, pour qu'ils aillent écraser le pouvoir des autres classes qui sont venues contrôler nos coopératives. Ce problème précis, il ne concerne pas seulement la zone ouest, mais toutes les zones dans le pays. Alors ma question, monsieur le témoin, est-ce que vous avez souvenance de cet extrait que je viens de vous lire? Est-ce que vous avez entendu monsieur Nguyen Chea évoquer la question des classes lors de l'Assemblée de juillet 1977 dans votre zone? ខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំសារហ្នឹងខ្ញុំមិនចាំទេហើយក៏តាមធ្លាប់ឮដោយមិនសូវមានខ្លឹមសារនិយាយអីអញ្ចឹងដែរពីព្រោះការជ្រើសរើសក្រុមសហការនេះគឺជាការជ្រើសរើសរបស់សាខា ខ្ញុំណារើសហើយបានឆ្លងតទៅលើដូច្នោះខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវទី1ទី2ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតដែលខ្ញុំមិនចាំទេបាទ Connaissiez-vous, monsieur le témoin, dans le secteur 32, un certain Ham? H-A-M. H-A-M. J'ai parlé du secteur 32, monsieur le témoin. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose dans le secteur 32? Très bien. Monsieur le Président, je crois que je vais mettre ici un terme à mon interrogatoire en m'étonnant tout de même de la remarque que vous avez faite, parce que je suis convaincu de ce que je jauge l'importance des questions que je pose. Et je remercie le témoin d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci. អរគុណសាក់សីឥឡូវនេះគណៈកម្មការសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាដល់ពេលសំលមមត្រូវសម្រាប់ហើយដូច្នេះអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកគណៈកម្មការសម្រាប់ថ្ងៃទី5នេះសម្រាប់ការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃពុធទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2012ដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកសម្រាប់ការថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងស្ដាប់ទៅគណៈកម្មការសាក់សីឈ្មោះនីកនដែលនឹងតាំងទំនុកដេញដោលដោយក្រុមវិទ្យាការពីក្តី ដែលក្នុងនោះនឹងចាប់ផ្ដើមដំបូងគេដោយក្រុមវិទ្យាការពីក្តីនុនជាលោកនីកន
đây các đáp từ khay cam đầu lúc mình nơi mình toàn chọn được loại tí đây từ bắt to thứ nơi thằng ngày sai tiền vì cho nên ông chúng ta thôi mình chơi lúc một đó từ khay cam được thằng ngày sai đôi khi đến đây ông chúng ta thôi mình chơi lúc mình chỉ vì bác xa xã tây cho rùm mà đâm bay bắt to bác xa xã tây nơi thằng ngày sai nương thằng ngày bắt to này các đáp xã tây lúc đi một tay đoạt ba là cá tầm độ rồi chỉ mới nương một tay hàng ông phiêu còn phía xã tây nương đại chúng biết trong ca បញ្ជូនសាក់សីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលគាត់ថ្នាក់នៅហើយនឹងឲ្យនាំគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដោតទៅខេកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សំណាការនេះវិញនៅថ្ងៃស្អែកនៅវិលមកប្រមុនព្រឹកប្រកបឲ្យអនុរិយអំពីខុងខាំងនាំខ្លួនសាក់សីជន់ចាប់ចោតដើម្បីរូបត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរខុងខាំងនៃអបតខវិញចុះហើយនឹងឲ្យនាំពួកគាត់មកកាន់បន្ទប់សំណាការនេះវិញឲ្យបានថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនមកប្រមុនព្រឹកដែលឡែកលោកអៀងស